Salut les potos, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est pas une vidéo ni de pêche, ni de chasse, ni de jeu, ce sera une vidéo pour une présentation des leurres en solde qui sont aujourd'hui et sur plusieurs temps. Alors j'ai fait un peu des achats, ça sera pas terminé mais j'ai fait la moitié. Je vous mets ça tout de suite en place. Voilà, j'ai les leurres. Non. Du coup, on va présenter ce tout petit leurre là. Tac. Je sais pas si vous voyez bien. Tac. Cette caméra. Voilà. Alors ça, c'est un petit leurre de chez de Snack Fox Rage. C'est un micro tilter fast. C'est un petit leurre pour pêche. Perche, excusez-moi. Perche, truite et brocheton, qui sent, bah, c'est pour tous les petits carnassiers ou gros carnassiers, ça dépend, mais voilà. Sinon, voilà, j'ai ceci. Alors, je vais vous le mettre là. Voilà. Alors, ça, c'est le standard. Hein. Alors, tac, c'est toujours la marque Delad. Tac, ça, c'est pour les plus gros. Alors, tac, je vais mettre ça un peu plus là. Voilà, voilà avec un, vous voyez. Ou bien. Tac, avec un tout petit hameçon, c'est ce qui est dommage, mais bon, voilà. Un petit hameçon. Mais par contre, ça marche très, très bien pour le brochet. Très très bien. Couleur naturelle. Voilà. Mais c'est dommage que le petit hameçon, l'hameçon, il est trop petit en fait. Je vous mets ça ici. Ensuite, nous allons passer sur le poppers. Poppers. Voilà. Je connais pas trop les marques encore, j'en connais une, deux, trois comme ça, mais il me passe par la tête, et voilà. Mais voilà. Ça, c'est le Popple, c'est un petit leurre pour perche, truite, éventuellement brocheton et cendre. Ouais, petit carnassier toujours. Alors, maintenant, on va passer sur la marque Smack Fishing avec Delad. En fait, c'est pareil, c'est un micro toujours. S'appelle me rappelle vraiment plus comment ça s'appelle. Ah, bref, c'est toujours le même genre de leurre, couleur naturelle, mais là avec le plus gros hameçon central, là c'est dorsal. Tac, voilà, c'est pour ça, c'est pour pêche toujours. Peut-être un peu plus gros brochet, brocheton, truite, perche, peut-être petit silure. Voilà, tac, j'ai rangé. Ensuite, après, on a toujours un petit leurre qui flotte pour dans les profondeurs avec la petite bavette devant, qui est toujours pas trop mal pour pêcher. Toujours huisseau, truite, perche et brocheton ou cendre. Très bon petit leurre. J'ai pas encore essayé, mais je pense que si j'irai à la pêche, j'irai faire une petite vidéo où j'irai montrer ces petits leurres. Et là, on va passer à la taille un peu au-dessus. Alors celui-là, il me semble, il mesure 5 cm. Ouais, 5 cm, il me semble. Non, un peu plus, 10 cm. Un peu plus trop. Toujours, alors là, c'est pour puisse un peu plus brocheton. Toujours truite, perche et petit silure. C'est un petit, une petite taille au-dessus, bah, pas grand-chose. Voilà. Alors ça, ces leurres-là, ils sont à Terreau. C'est des magasins, si vous connaissez pas, c'est des magasins. Assez grand magasin pour pêche, chasse, équitation et toute activité. Il y a aussi, il me semble, sur Decathlon. Je pense sur Fishing aussi. Plus trop. Après, c'est en fonction de vos régions où vous êtes. C'est des leurres bien pour commencer déjà. Avec de nombreuses prises. J'en avais avant déjà. C'est là. Cela et le gros qu'il a. On avait avant et c'est vrai qu'ils sont pas mal. Vraiment pas mal. Alors, je vais ranger pour voir un peu mieux. Je vais déplacer la caméra. Voilà. Tac. Ensuite, j'ai acheté une autre boîte. Une petite boîte, toujours en solde. Qui vient de Decathlon. Voilà. Alors, je vais passer ça, je vais les ouvrir. Tac.
Voilà, alors je vous montre vite fait comme ça. Alors là, il y a le gros leurre pour brocher. Le petit leurre micro tilter fast. Bah, leurre taille moyen du plus gros. Le popper hein, qui est là. Celui-là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, et celui-là non plus. Voilà. Ensuite, après, on a la boîte. Tac. Alors là, pour ranger les micro tilter fast. Ensuite, là, bah, la petite taille. Là, le crawler. En fonction, après, ça dépend, on peut bouger ça ou pas. Ça, chacun son goût. Moi, je préfère que ça soit au milieu, c'est plus facile de les chercher dans les recoins. Ensuite, après, j'ai plusieurs sortes de mes rayons. J'ai mes rayons comme ça pour plus tourne, cuillère tournante. Voilà. Après, oh, tac. Après, cela, c'est plus pour les leurres. Hein, que ça tourne pas, en fait. Le problème, c'est que sur les noirs, là, c'est que si vous mettez la cuillère, quand vous lancez et quand vous ramenez, et ben le truc qui tourne du coup c'est bien parce que c'est une tourne par exemple la cuillère tournant c'est bien que cela les leurres qui tournent on voit pas le poisson tourner dans tous les sens et tout bon voilà que cela c'est bien c'est vraiment bien pour les accroches des leurres bon, ben voilà j'ai fait le tour ensuite sur la boîte toujours de Terreo celle-là il me semble c'est sur Kunki qu'elle a fait avec alors, je sais pas si vous voyez bien où il y a le 0 cm jusqu'à 18 cm. Alors désolé pour la petite coupure. Tac, bon voilà. De 0 à 18 cm, c'est déjà pas mal. Comme ça, quand vous êtes dans les pêches en ruisseau, ça peut être toujours idéal d'avoir des petites centimètres comme ça, un truc. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, j'ai oublié la petite boîte comme ça. Toujours pour ranger. Alors là, il y a 5 emplacements. Par contre, il n'y a pas le truc maîtrisé, c'est-à-dire centimétré plutôt. C'est dommage, mais les deux là, je pense que c'est pas mal, t'es dans les ruisseaux et tout. Voilà. Alors j'espère que la petite vidéo vous aura plu. En tout cas, bah, moi, j'aimerais que vous lâchiez des gros likes, que vous abonnez, et ce sera tout. Je vous dis ça, et voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!